Mise au point aujourd'hui en fait sous chambre de conciliation et d'arbitrage d'Haïti, qu'après le gagné forum ni 1er acte 2 mars, Cap Vinila. Il a recevoir Youn Mamchamna pour nous parler en long et large de travail, motivation d'abord, travail fait, est-ce que l'entreprise connaît existant ça, et qui dans quel niveau est intervenu dans quel conflit gagné entre entreprises en un pays. C'est entre autres points, pour le dans quelle émission ça avec M. Patrick Laurent qui représentait CCAH, dans mise au point aujourd'hui. M. Laurent, son plaisir vous nous recevoir sur TNH. Et son plaisir, merci, bonjour Lindor et bonjour à tous téléspectateurs, téléspectatrices et télévision nationale d'Haïti. Et c'est un plaisir tout pour nous représenter le Centre de conciliation et d'arbitrage d'Haïti, CCAH, dans le cadre émission ça. Et on est tout, bon, on va parler de ça. Dans ce moment-là, nous gagnons un forum international, premier forum international sur l'arbitrage. Parfait. Une fois une présentation de CCAH, pour mon cap gardé là. Ok, CCH, alors il faut aller plus loin. Depuis le décret de 1835, qui bail monopole arbitrage à la Chambre de commerce. Et, Chambre de commerce d'Haïti. Et maintenant, il faut nous attendre juste en 2005, qui ont décret de 2005 qui vient amender livre 9 et code de procédure civile sur l'arbitrage. Et pour nous parler du premier conseil d'administration CCH. C'est en 2010. Donc, ce qui veut dire que CCH, tu as dit premier balbutiement, commencé premier conseil d'administration en 2010. Alors, là, le Centre de conciliation et d'arbitrage d'Haïti, c'est un centre qui organisait des arbitrages institutionnels, c'est-à-dire des arbitrages commerciaux qui mettaient aux prises entre des entreprises et ou bien de monde qui, des acteurs dans le milieu des affaires qui ont fait des business et qui, choisi de l'autre mode alternatif de résolution de conflit, ça veut dire qu'il dit bon, pas par le tribunal, pour plusieurs raisons. Et puis maintenant, qui choisit venir l'arbitrage. Alors pour les téléspectateurs qui ont écouté nous, là, nous parlons d'arbitrage, on est ici à faire sport en pile, c'est pas arbitre ni football, non match de football vraiment, on a parlé, si on vous aura, mais on a parlé de une forme de tribunal privé. Ok? Et que c'est parti, ça veut dire, moun qui a un conflit, yo, qui dit bon, si nous avons un problème, l'un des problèmes, dans le cadre contrat, nous avons exécuté ça, nous ne prenons pas le tribunal, nous prenons l'arbitrage. Et décision arbitrale, ça t'a parlé, nous avons une sentence arbitrale là, pour gagner la même force que si c'est un juge étatique qui rend décision. Alors, c'est bien comment nous jouons un rôle mitan jouette. Et l'état mitan jouette, mais on juge tout bon. Ok, donc ça veut dire que soit dans le tribunal là, dans le juge étatique, ok, il y aura une décision et décision ça on est obligé d'appliquer. Bon, nous même nous dit, alors acteurs et commerciaux dit, bon, ok, nous pas parler devant le tribunal, on a l'arbitrage. On laisse ça qui avantage arbitrage à Valbaou. Un tribunal qui parle composé avec arbitre, c'est parti qui parle choisi. Donc ça veut dire un pour quatre figures. Nous disons qu'il y a trois arbitres. Mais chaque partie a choisi un arbitre. Et que cette année même, a, ou bien deux arbitres qui ensemble ont choisi le troisième. Ça veut dire qu'on est qui a tensé notre tête. Ou bien cette année choisi, ou bien le tribunal civil a choisi le grand arbitre. Bon, nous trois. Et à faire ça, tribunal, ça arbitre, ça constitue, il sait pour affaire, il constitue. Donc ça veut dire que dossier pas maintenant, cause pas maintenant, bon tribunal qui a tendé qu'à ça et qui a pris nos décisions. Laisse ça. Le tribunal n'a pas besoin d'autres dossiers pour le donner, qui c'est seulement capable. Ça veut dire l'avantage qu'il gagne, l'on parle dans le tribunal étatique là. Parce que l'on parle dans le tribunal étatique là. Le juge là qui vient là, dans le tribunal là, il pas vient pour où seulement, pour affaire pour là seulement. Il y a plusieurs autres affaires pour le donner. Donc ce qui veut dire, affaire pour là, c'est supposé attendre chaque mardi, et bien, ou vient chaque mardi, il n'y a pas qu'à attendre, alors même le tribunal là, parce que tout simplement, il n'y a pas qu'à arriver sur le dossier pour là. Et quand il y a de l'autre impondérable, tout ça veut dire que. Je dis à soit commissaire gouvernement malade, soit un greffier qui est malade. Et nous connaissons le système, nous tout. Certaines fois, tout, il y a des revendications sociales, bon, légitimes ou illégitimes. Bon, ça, c'est une revendication sociale, que le tribunal n'a pas fonctionné. Or, on connaît une question business. Tant c'est l'argent. Donc, ce qui signifie, on retard, on procès qui a duré un, deux ans, alors que si nous avons un tribunal spécial, nous allons en arbitrage,
solution est faite plus vite, nous jouons une décision, ça que perdit à l'exécuter, et puis on continue à faire business ensemble. Donc ce qui veut dire que l'arbitrage permet non seulement une procédure de confidentialité, elle dit pas de monde ni sur les réseaux sociaux, ni sur WhatsApp, ni Facebook, qui peut dire ah, bon procès là entre entreprise Patrick Lowe, entreprise Serginho Lendo. Non. Et juge tout, vous gagnez de attribuer avec des secrets professionnels, pour pas parler de bagarre comme ça. Et puis, c'est une question qui passe dans strict, sous table dit, une strict confidentialité, pour ne pas dire dans toute convivialité, c'est quoi qu'on tribunal. Généralement, dans le niveau tribunal, ça, nous regardons comment on est capable de mettre mon lieu d'accord pour que l'on entente à l'amiable qui joue. Ok, d'accord. Là, dans ce CCH, là, en tant que l'amiable, il va tomber sur l'autre question. Arbitrage, son affaire contentieuse liée. Ok. Alors, c'est que quoi le tribunal, arbitre a décidé, c'est fini. C'est son juge lié. Ah bon? Ok. Mais en DCCH, quand on dit ça, tout, il y a un total à l'amiable, il peut tomber ça dans le cadre de médiation. Ok. Et là, on a joué le mitan jouet. Oui, là, c'est tout bon, mitan jouet. Mais tout de confidentialité, médiateur a essayé, ce n'est pas lui qui parle de décision. Il ne peut pas le décider lui-même. Il mettait pas si on chute ensemble. Il a parlé avec, parce qu'il a parlé. Certaines fois, il y a des problèmes qui posent en dans business, en dans contrat. C'est parce que nous n'avons pas jamais chuté à parler ensemble. Donc, ce qui signifie, là, le rôle de médiation, le médiateur a placé à faciliter le dialogue. Là. Faciliter que nous, nous-mêmes, nous joignons un accord à, pour résoudre le conflit. Là, lui-même, le médiateur n'a pas de pouvoir pour dire, mais ça m'impose, mes solutions gagnent. Mais peut-être que ça permet de chuter ensemble, les deux parties, et pour qu'on rejoigne le plus possible qui solution pour permettre nous avancer plus devant. Parce que ça arrive, si on fait business avant, et nous obliger faciliter la communication, nous obliger faciliter pour nous toujours faire business ensemble. C'est parce que nous avons des accords sur un point là, surtout le plus souvent, les gens conflits, nous n'avons pas joué une solution, et puis ils viennent ennemis, ils viennent diviser, alors que au fait, climat des affaires là, nous pas besoin de pas qu'il n'a pas qu'un acteur pour la diviser en fournisseur ou quoi comprendre question, mais là la rôle médiation puisque sans plan fait le tout, la médiation permet de nous chiter ensemble, permet de nous parler, permet de nous vider qui problème que vous gagnez et permet de joindre ensemble entre eux parce que c'est pas médiateur qui prend le bail solution, genre entre eux qui meilleure formule qui vous gagne. Donc le cadre médiation c'est mis en jouet là et si mon malgré tout pas arriver en tenant les ça, il a choisi soit pour aller dans le tribunal étatique. Et là, on parle de tribunal étatique pour que les téléspectateurs comprennent. Le tribunal étatique, c'est le tribunal côté que c'est l'État qui met là, ils ont parlé de justice, etc. Par exemple, la question commerciale, on parle là, le tribunal étatique, là, dans le sens ça, tribunal commercial, à le tribunal commercial. Ou bien maintenant, choisir venir dans le tribunal privé d'arbitrage, que c'est Mounio qui choisit, c'est Mounio qui choisit arbitre, c'est Mounio même qui choisit. Combien de conflits à droit de durée? Mais si y a pas choix, si le contrat d'arbitrage là, y a pas dit combien de conflits à durer, mais la loi toujours, la loi toujours là, les bons dates supplétives, ils disent ok, si y a pas, si les parties ne choisissent pas, donc il y a bien mission à arbitrer bien 6 mois. Alors si bien comment nous gagnons deux rôles, nous arbitrer et puis nous faire rôle mitan jouet là. Ok, CCH. CCH. Oui, CCH, nous faire médiation et nous faire arbitrage. Oui. Qui s'en gagne comme provision légale de l'affaire ça? Alors d'abord, premièrement, on t'a dit que provision légale qui vient depuis 1835 et le décret de 11 juin 1835 qui baille à la Chambre de commerce d'Haïti et mission pour organiser arbitrage commercial et arbitrage institutionnel. Décret du 11 juin 1835 et qui vient renforcer par amendement 9e livre 9 du Code civil haïtien et Code du procédé civil haïtien en 2005. Et c'est que ça fait maintenant CCAH, la Chambre de commerce d'Haïti, implémenter l'institution CCAH pour capable d'organiser un arbitrage institutionnel, l'arbitrage institutionnel et de médiation. Maintenant, nous avons un terme technique, nous avons arbitrage institutionnel. Il y a des gens qui parlent de l'institution. Ok, ça veut dire qu'il n'y a pas d'institution ou institution. Le rôle pour gérer, organiser l'arbitrage. Les ça, il y a des gens qui ont arbitrage, en termes techniques, ad hoc. Ça veut dire, vous avez un problème dans la télévision, si vous voulez. Bon, on connaît Serginho, qui est en télévision, bien, qui est en média. Et puis, il y a dit, bon, le conflit, ça vient là. Si je prends un problème, au lieu, alors, le fonds arbitrage institutionnel, nous-mêmes, je choisis Serginho, on l'autre a choisi et Patrick Laurent, puisqu'il est intervenu en pile dans les médias. Et puis deux, Serginho et Patrick Laurent a choisi l'autre monde pour, un troisième, pour faire laisser son collège, pour faire arbitrage, laisser son arbitrage ad hoc, mais pas arbitrage institutionnel. Toutes les fois, on confie conflit
à une institution qui pour organiser l'arbitrage là, vous voyez ça arbitrage institutionnel. Or, en Haïti, au moment où nous parlons, seule institution qui organise l'arbitrage, c'est CCAH. Donc, ça, c'est un arbitrage institutionnel. Si hors de cas de confier à CCAH et organiser l'arbitrage, là, ça, on va tomber dans l'arbitrage ad hoc. Mais non, nous ne pouvons pas faire les deux. Nous pas faire non, non, c'est institutionnel. C'est... De toute façon, on a prôné et arbitrage institutionnel là. Là, ça, on a des garanties. C'est des gens qui forment, les arbitres très formés. Puisque, au fait, à l'intérieur de CCH, formation, son formation continue, permanente, tout le temps habitué à prendre des formations. Et vous nous garantissez parmi les, en termes de meilleurs spécialistes en droit qui gagnent dans, véritablement, ça nous peut dire ça, qui gagnent dans CCH là. Et aussi, arbitrage, très important, lit pas affaire avocat seulement. Allez-y, nous avons des ingénieurs, nous avons des architectes, nous avons des agronomes, des gens qui sont spécialistes de l'assurance. Parce que nous avons un conflit qui a déroulé, c'est son problème d'assurance. Mm-hmm. Laisse ça, même si nous avons un collège d'arbitrage là, beaucoup de mettre des questions de règles, procédures à point. Mais nous avons un spécialiste qui connaît l'assurance, qui connaît ça, n'est pas parlé. Et qui fait le conflit là, pour qu'il y ait des questions. Donc ce qui signifie avec l'arbitrage là, les parties ont une garantie. Que collège d'arbitrage, à capter des affaires, il y a des gens non seulement compétents, mais il y a des gens qui ont des éthiques, etc. Donc ça veut dire que c'est extraordinaire. Alors, vous, comme pas de méfiance entre les gens qui ont conflit et arbitre de CCH? Bon, toujours, si tu as des gens qui ont méfiance, par exemple, pour les gens choisir Patrick, là. OK? Et puis l'autre partie a dit Patrick, trop bien avec X. Donc ça veut dire que là, les cabaye. Qui a bien influencé. Oui, conflit d'intérêt. Par exemple, si je suis client, si je suis client, ok? Et puis, quand il vient en arbitrage, et puis l'autre patient, face à qu'on est ses clients, et puis c'est moi qui juge. Ça, c'est un thème technique qui a demandé, une partie qui a demandé pour récuser Patrick Laurent, parce que il y a des conflits d'intérêt. À tel moment, X, c'est lui qui était avocat compagnie W. Donc, nous allons dans la compagnie W pour avoir un conflit à compagnie Y, et puis c'est Patrick Laurent, le collège habituel. Ça, je prévois tout que s'il y a des conflits d'intérêts pour que yo récuser arbitre là et arbitre là tu dois choisir tout et puis s'il vient il voit que dans cas ça et que il y a trop intérêt il pas assez à la hauteur pour impartial pour dire le mot du droit il cas lui-même retirer colle et là mon terme technique va dire si c'est arbitre là qui décide de retirer colle il va dire le déport de l'arbitre donc il y a des techniques pour télé soit capitaine de laisser une pratiquement de pour arbitre là t'as sorti, c'est la récusée. Ok, laissez l'arbitre là qui dit, bon, pour question de convenance personnelle, je ne peux pas de ça, lui-même, de retirer l'école. Donc, ce qui signifie, défiance là, on connaît l'homme, c'est l'homme, mais il est très minime dans le niveau arbitrage et dans le niveau arbitrage et CCH organisé. Est-ce que je veux dire, entreprise, on connaît l'existence CCH là? On dit oui et non. Goussan a dit oui. Oui, parce que CCAH sont entité en la Chambre de commerce et d'industrie d'Haïti. Mais non, pas, ou pas sensibilisé, il y a un pile contrat commercial qui a fait, côté ou pas mettre clause d'arbitrage. Parce que, au fait, ça qui pour, c'est ça qui fait, et CCAH entre dans une dynamique pour vulgariser non seulement et ça le fait, à, le milieu professionnel, donc c'est un avocat, parce que c'est un avocat qui peut rédiger des contrats, mais le milieu des affaires aussi, pour nous dire, monsieur, yo, mais nous là, c'est pour nous que nous travaillons, et les plus avantageux pour nous entrer l'un ou l'arbitrage si il y a un conflit, ou bien les conflits à une fête, puisque le conflit c'est un qui est inhérent, depuis qu'il y a deux mouns nous comptons, qui est possibilité de conflit, voire dans le milieu des affaires, et qui peut pas une garantie de sécurité que les décisions qui peuvent sortir. Un, c'est des décisions qui peuvent coller à la loi. Deux, c'est parmi les gens les plus compétents en Haïti dans le domaine juridique qui est dans le. Et deuxièmement, il y a une matière par eux. Par exemple, si c'est pour route ou ingénieur, si c'est pour assurance, il y a dans le collège arbitral là, des gens qui comptent le domaine que ont besoin. Donc, ce qui signifie, c'est ça qui fait démarche ça que CCH entre en question pour le vulgariser, pour que l'homme d'affaires, les businessmen, connaissent que ça. De conciliation d'arbitrage d'Haïti, ça a fait pas. Et même les avocats ont proposé un contrat qui permet de clause d'arbitrage à la donne, ils ont même demandé à l'avocat. Mais même s'il y a des problèmes, s'il y a des problèmes dans le côté d'affaire, c'est l'arbitrage qui prend. Mais l'autre avantage d'arbitrage à Baïto. Si le contrat n'a pas de gant, clause d'arbitrage, ok? Mais les conflits ont déclaré,
les partis qui achètent ensemble pour faire un compromis, les savants se disent bon, ok, nous prenons l'arbitrage. Donc ça veut dire que toujours il y a une possibilité de l'arbitrage là, l'encontre pas de clause là, et puis les conflits, les litiges là prennent naissance, en bien qui achètent ensemble, font un compromis, ils disent bon, nous prenons l'arbitrage. Et si vous avez fait ça comme ça, en clause compromis soir, pour dire nous prenons résoudre le problème ça en arbitrage, ils mettent confié dans l'arbitrage institutionnel, CCA. Mais je pense que c'est facile, puisque si on n'a pas 40 ans, pour résoudre le problème de vous-même. Vous pensez que c'est la plus intéressante, mais la facile pour vous pour aller vers un arbitrage? Bon, de toute façon, si on n'a pas résoudre le problème de vous-même, vous avez deux choix. Soit vous allez dans le tribunal étatique, là, ou bien vous venez dans l'arbitrage. Sauf que ça me dit, si vous allez dans le tribunal étatique, là, un, la première chose, c'est que le tribunal étatique, là, pas un tribunal qui monte pour procès, là. Il n'est pas voté pour procès, là. Ça veut dire, dossier là passé pour le temps qu'il faut gagner place. Deux, dans le tribunal étatique là lui-même, il fonctionne presque même à l'école. Noël vacances, tu as dit à fond la pas attendre. Carnaval vacances, à fond la pas attendre. Pâques vacances. Et maintenant, ça va le pire en été, on dit que ça ou gain un litige qui prend naissance 1er juin. Après vous quoi le tribunal là. Carnaval vacances. En vacances le tribunal puisque là commence à arriver la fin juin. Tribunal après dit, je ne peux pas faire affaire nouvelle encore, c'est affaire en continuation. Donc ça veut dire, ou même affaire pour là, pas qu'attendre, or on connaît l'offre business, le temps, c'est de l'argent, ou pas l'obligé de subir juillet, août, septembre, affaire là, pas qu'attendre, et l'or arrive en octobre, c'est pas quelqu'un garantie ou pas le gagner, qui vous dit, affaire sur gagner, pour attendre en octobre. Maintenant, par contre, si vous choisissez l'arbitrage, tribunal là qui peut le constituer, tribunal là, c'est un tribunal qui peut le monter, pour tendre à faire pour là seulement, et que au cas où juge un délai, et si pas juge un délai, la loi, un délai supplétif qui dit juge, il y a pour mission arbitrale, il y a député dans la Constitution, il y a 6 mois fini, pour une décision. Si par hasard, tu as un problème, que le juge t'a estimé que 46 gens complexes, 6 mois, nous disons, ou bien la loi, bon, rien, ou si j'en trouve, la petite à partir, voilà, mais qui compte si tu es gagné, est-ce que tu es d'accord, bon, moi? Ou bien, même des mois encore, partir évaluer la question. Parce que le procès arbitral, là, c'est une réunion de famille, de convivialité, ou c'est autour d'une table. Et c'est seul parti au club, pas de publicité de ça. Ça veut dire que pas de monde qui a bien. La docteur dit qu'il y a une chita pour jouer avec le juge. En toute confidentialité. Voilà. Ça, c'est fondamental en arbitrage, confidentialité. Donc, ce qui veut dire, mon y a une chita ensemble pour dire, OK, arbitre là, vous êtes pour moi. Vous êtes de loin, puis vous avez une décision. Une décision finie, OK, je me perds. Ça va. Bon, naturellement, et décision sentence arbitrale là, c'est un terme technique, immédiatement le finir rendre, li gagne autorité de chose jugée. Ça veut dire. Il y a force de loi? Ah oui, donc ça veut dire pour les parties en cause. Et là, ça, seul gens où tu es capable de mettre des sentences arbitrales. Tu n'as pas fait appel? Non, pas un appel en arbitrage. Celle-ci partie, le contrat, le clause d'arbitrage là. Ou bien les litiges la fin de la clause compromissoire. Là, on dit, bon, nous voilà en arbitrage, mais si je ne suis pas d'accord après décision de sentence arbitrale, je ne peux pas aller en appel. Mais si pas si je n'ai pas écrit ça, donc assure blanc la clause d'arbitrage là, ou bien la clause d'arbitrage là, avant conflit est fait, depuis le contrat, ou bien la clause compromissoire, là, les conflits à venir, et puis ils ont décidé, nous voilà en arbitrage. Mais si ce n'est pas ça, nous voilà en appel. Si je ne suis pas d'accord, nous voilà en appel, c'est pas si je n'ai pas dit ça, pas un appel du tout. Donc ce qui dit depuis le fini, c'est fini. Sauf que, nous avons toujours à la cassation pour annuler cette sentence-là. Mais si gagne systématiquement, juge décidé sur des bagages que la loi ne pas permettre de décider. Est-ce que le travail n'est pas plus facile dans le pays côté gens qui ne parlent pas l'entendre ou CCH la vie, fait travail sur la dire là? Parce que nous pas toujours forcément même gens et puis il faut pas d'accord que l'autre là différent, mais pas d'accord que l'autre là a gagné raison sur nous. Est-ce que le travail n'est pas plus compliqué et dans le niveau CCH là avec Laurent? Bon. J'en ouye comme moun, j'en fonctionne comme moun. Oui, mais à première vue, c'est oui, mais de pour arriver chita met moun yo, chita ensemble. C'est, le plus souvent, c'est pas ça nous pas parler. Nous qui avons un problème là avec, après nous dit, bon, c'est Junior, ça, pas qu'à le faire, mais ça veut encore faire télévision, il n'y a pas de droit à présenter là. Comme si. Le fait, c'est parce que vous, moun qui te, parce que vous, mes interprétations, que vous, mes incompréhensions, là, moun yo chita ensemble, vous, t'as ouais, c'est pas gain problème là. Donc, les salariés doivent même. Et le plus facile, leur mettre les gens ensemble pour comprendre la question. Parce que c'est vrai, soit dit, très important, où est-ce que la société nous est. L'on est dans le tribunal étatique, où est-ce que les gens ont raison, ou bien les gens ont raison. L'aide juge la décide par X raison, l'autre a dit soit juge la Y, W, ils ont tout le monde. Ils ne sont pas comme. Bon.
Et l'arbitrage n'a pas de possibilité ça. Par contre, il n'y a pas de parler. Pas de parler, pas de parler, monsieur, c'est parti qui paye le tribunal là. On est payé. Ah oui, justement. Oh, tu vas dire, pas de possibilité. Ça veut dire, où tu parles l'arbitrage, où tu dis son collège d'arbitrage. Ok, où tu besoin de ces trois juges. Bah, c'est venu vous là. Ah non, non, non. Son tribunal privé, parti, payé tribunal là. Donc, ça n'a pas de possibilité. Vous comprenez, imaginez, deux mouns qui ont l'arbitrage, c'est des mouns non seulement compétents, mais qui ne marchandent pas non pour rien. Et c'est parti qui choisit, puis on dit, ok, arbitrage, indépendamment de montant en conflit, un pourcentage, et puis c'est parti qui paye l'arbitre, c'est parti qui paye les frais institutionnels. Donc, il n'y a pas de problème, pas de problème pour un avocat qui a dit, entre guillemets, dit client, ou qu'on est là, arbitre ça bien avant, pour me dire, non. Il n'y a pas de moyen pour faire chantage. Non, pas de moyen pour faire chantage. D'ailleurs, le tribunal l'a monté, c'est pour le dossier l'a monté. Supposons que je voulais aller faire chantage, je n'ai jamais habité encore dans le CCH. Tu la connais? Je la connais. Je n'ai pas jamais habité encore du tout. Ça va pas jamais arriver depuis là? Non. Depuis 10 ans là, ça va pas jamais arriver. Okay. Ça ne va pas jamais arriver. Ouais, ne pas supposer que tu n'as pas les catégories, même les jours, c'est bon garant que ça ne va jamais arriver. On habite, on médiateur qui t'a entré là, et donc combine avec une partie, là, ou assurer que le fin arbitre, le fin médiateur, je dis ça, je veux est-ce qu'on veut mesurer honnêteté tout pour qui dans le collège là. En principe, ce sont il y a plusieurs garanties qui ne peuvent pas arriver comme ça. C'est que, n'est-ce pas, il y a un volonté arbitre là, il y a un non, et puis il y a un renommé tout dans la profession que l'on a exercé. Que ce soit avocat, que ce soit assureur, que ce soit ingénieur, que ce soit comptable. Donc, il n'y a pas perdu renommé, réputation pour un dossier. Donc, comprenez, il y a plusieurs dossiers, non? C'est un grand dossier, ça, que la traité peut faire. Parce qu'on habite par plusieurs dossiers. OK. OK? C'est un dossier arbitrage. Et puis, bon, si parti a choisi comme arbitre, parce que parti a la liste arbitre que CCH a gagné, parce que nous avons une liste qui a 50 arbitres, nous avons choisi l'arbitre que vous voulez la donne. Et que c'est son collège arbitral. Et là, CCH, même deux arbitres, ils doivent être ensemble pour choisir. Un troisième, ou bien CCH proposer le président du collège. Et puis, ça, c'est. Moun yon pa gen intérêt pour faire ça. De toutes les façons. Comment a un dossier ou ka acheté au moun et yon arbitre? C'est très difficile. De 2010, ça veut dire combien de dossiers on arrive à traiter en moyenne? Et bon, alors en moyenne, il y a près de 50 dossiers qui traitent en moyenne. Ah, ça veut dire qu'il y a un top conflit dans le secteur. Ah, mais non, ce n'est pas un top conflit par dans le secteur. Non? C'est moun yon pa ko approprié. Et ça me pose une question. Est-ce qu'on connaît l'existence? Non, alors, on connaît l'existence. Et ça peut être oui et non. Tout le monde qui est dans la chambre de commerce d'Haïti, on connaît que dans la chambre de commerce d'Haïti, il y a un centre de conciliation et d'arbitrage. Mais maintenant, est-ce que on est sensibilisé, on est motivé pour dire, mettre là, on va faire un contrat, il faut qu'on ait une clause d'arbitrage. Et clause d'arbitrage, ça, on a confié à CCH. Donc c'est ça qui fait qu'on a CCH proactif. Très proactif pour que moun yo konnen ki sa arbitrage là et qui avantage yo gagne l'aile dans arbitrage et qui avantage yo gagne tout le confier et résolution et conflit yo à au centre d'arbitrage de conciliation d'Haïti. Yaman dossier ça on traité là et nous arrivé dans phase finale ou bien ça qu'on arrivé deux parties en conflit qu'on dit moi on a quitté bas dans le tribunal étatique. Bon, c'est très difficile, ça pas que j'aime, nous pas que j'aime un cas que tout le dit, bon, il a quitté qui ça, il va dans le tribunal étatique, parce qu'en fait, si on clause d'arbitrage dans le contrat, ou pas qu'il dans le tribunal étatique, la loi dit même, depuis qu'il y a une clause d'arbitrage, le tribunal étatique est incompétent. Okay. Il n'y a pas qu'à aller. Bon, maintenant, ça qui arrive dans le cadre de médiation, c'est ça que Mounio t'a vu ne pas voulu entendre, et il n'y a pas joindre une solution entre eux. En dépit de médiateur à faciliter, ben voilà, il faut que soit l'arbitrage ou bien aller dans le tribunal étatique. Alors, très bonne question, depuis qu'on clause l'arbitrage en dans le contrat, le tribunal étatique là, li est compétent. Donc, ça arrive tout que le CCH oblige tout à faire de formation et pour avocat et pour juge tout. Parce que ça, il vit quelqu'un branche nouveau. Donc, ça signifie faut que le juge comprenne que l'aide qu'on clause l'arbitrage pour le déclarer incompétent. Par contre, si clause arbitrage là tout, c'est très important clause arbitrage là. Il est mal rédigé. Alors, à ce moment-là, il y a
être joué en action en nullité de la clause. Et c'est ça, c'est dans le tribunal arbitre. Qu'est-ce qu'a fait mal rédigé? Qu'il est en clause mal rédigée, en clause arbitrage mal rédigée? Bon, clause arbitrale, là, parce que vous avez des clauses physiques, clause arbitrale qui doit mal rédiger, côté Mounandi ou consacré. Et si conflit a fait, nous prenons l'arbitrage. Et si balle a passé mal, par exemple, nous prenons le tourner dans le tribunal étatique. Comprenez bien, alors que depuis une clause d'arbitrage, le tribunal étatique là incompétent, et la même clause, nous avons deux possibilités. Ce qui signifie arbitrage et étatique. Et ça fait, nous qui prend des clauses d'arbitrage, c'est pas un arbitrage, il faut jouer un spécialiste ou un avocat qui compte droit des affaires et qui compte des clauses d'arbitrage, puisque dans ce CCH, nous avons des clauses physiques pour que nous ne pas mettre une clause, l'elle comprend pas l'arbitrage, alors clause a très mal rédigée. Et laisse ça l'obligé de tourner dans le tribunal étatique. Et laisse ça tout, ou pas de problème. Si le juge n'a pas examiné bien pour le clause ça nul, comment il s'accrivait, l'IPRAL déclare incompétent. Et l'elle vient arriver dans l'arbitrage, arbitre, le regarde que clause ça, et si l'évident, l'IPATAN, il doit dire tout lui-même, parce que tout tribunal, il faut qu'il examine les compétences, il doit dire qu'il y a tout incompétent. Laisse ça vient tomber dans une situation de tribunal qui dit incompétent. D'où l'importance. Quel que soit businessman, si vous voulez, qui est dans le secteur des affaires, il faut qu'il y ait non seulement pour les arbitrages, mais des spécialistes qui connaissent ça à faire pour que la clause là pas nulle. Est-ce que nous puissions traiter des entreprises qui sont en conflit, en fait, des entreprises en conflit avec l'autre, ou bien des gens qui actionnent dans la même entreprise qui ne peuvent pas entendre mieux? Oui, ça arrive. Ça veut dire conflit assez entreprise à entreprise, fournisseur avec des consommateurs, qui est capable tout de actionner. Puisque il y a un pile contrat de société. Par exemple, ils font société anonyme. Et que côté que en dans clause contrat, que ils dit si gon problème entre un actionnaire, ils pas le tribunal, ils prennent un arbitrage. Ça gagne. Mais le plus souvent, vous connaissez gagne en pile société qui était constituée déjà. Le plus souvent que des mounio qui c'est clause arbitrage, c'est l'arbitrage ad hoc. Donc ça veut dire que ce n'est pas l'arbitrage le plus souvent institutionnel. Mais Kounia, on va encourager les gens à monter la société. Parce que le conflit est évident, ou pas qu'à éviter. Donc on a besoin pour gérer le conflit. Donc ça veut dire que les actionnaires ont un problème pour l'arbitrage. Là, c'est pour société anonyme, mais des sociétés non collectives, pour des associés, ils ont un problème et les gens ont un clause d'arbitrage. Mon gars, est-ce que vraiment, il y a un conflit trop dans les questions d'entreprise, par exemple, son pays de monopole, on a un atoll, et lui, dans lui, c'est parce que même pas les trois personnes qui ont fait même bail, vrai. Oui, mais bon, alors c'est d'apprendre comme ça, mais les gens qui ont fait le bout de l'île, des associés, on dit, mais il y a des petites ligues avec lui, il y a peut-être là seulement, mais pas même trois entreprises qui ont fait même bail. Oui, il y a, bien sûr, il y a des problèmes, mais il y a des problèmes avec le consommateur qui est commandé. Nous résolons l'aspect ça. Oui, c'est bon. Depuis, il y a une clause arbitrage. Mais ça crée. C'est faciliter le climat des affaires. Parce qu'on est qui a une entreprise. Il n'y a pas d'intérêt pour avoir un problème avec les consommateurs. Il n'y a pas d'intérêt ça. Il n'y a pas d'intérêt pour avoir un problème avec les gens qui l'a fonctionné. Il n'y a pas d'intérêt ça. Parce qu'en fait, pour nous perdre du temps dans le procès, on perd du cobla. Donc, ça, on a intérêt pour résoudre le plus facile. Et ça fait tout. L'arbitrage aussi, sans le dire, pour permettre qu'un pile de monde vienne investi tout en Haïti. Parce qu'il y a une pile d'entreprises étrangères qui ne sont pas venues d'ailleurs si pas de clause d'arbitrage. Et le plus souvent, on demande que l'arbitrage soit fait à l'extérieur. Ah bon? Ah oui. Pour qui ça? Ah, parce que l'IGE doit dire pas faire confiance avec le système juridique. Ok? Et les SAA, les îles, ils vont faire arbitrage et à l'extérieur, mais on doit dire non, non. Mais nous-mêmes, nous avons un système d'arbitrage, imagine ici. Okay? Et bien, on a fait un arbitrage et national. Mais ça, tout ça, je le dis, par parenthèse, arbitrage qui fait sur le plan international, là, il est exécuté en Haïti. Et provision légale, oui, ça? Oui, provision légale, correct. Et ça nous fait ici, à tout le cas, oui, exécuté à l'extérieur. Oui, justement. Okay. Oui. Donc, ce qui veut dire, vous n'avez pas de problème. Qu'elle dit, bon, je choisis une chambre d'arbitrage de Londres ou bien de Paris ou bien de New York. Pour ça, tout le cas, je choisis une chambre d'arbitrage d'Haïti. Donc, ce qui veut dire, arbitrage à Ville, Cancun, Dadoula, un point d'entrée pour les professionnels. Il y a un pile d'entreprises étrangères qui viennent en affaire avec des entreprises haïtiennes, ils ont mérité des arbitrages
et dans notre pays, mais nous avons fait des arbitrages en Haïti. Donc ce qui signifie, au niveau de CCH, qui a promouvoir l'arbitrage institutionnel et que c'est nous gagnons en Haïti, c'est nous pas qu'à jouer avec compétence, nous n'avons pas qu'à jouer à crédibilité. Parfait. Est-ce que là, au niveau CCH, on peut solliciter par des problèmes qu'a fait n'importe quel prince, mais il y a des montours, des entreprises dans notre région de PA qui sollicitent. Oui, oui, justement. D'ailleurs, Chambre de commerce d'Haïti et Chambre de commerce d'industrie d'Haïti gagne juridiction sur tout département. Mm-hmm. Et que Mounato, oui, il dit que au fait que c'est CCH qui a fait et puis nous organiser l'arbitrage. Non, nous connaissons que juridiction sur tout le pays, mais ça arrive à trouver des cas vraiment qui sont dans la profession. Oui, il y a des cas qui sortent dans la profession. Alors, rappelez bien que ouais, arbitrage c'est une confidentialité. Mm-hmm. Ouais, toute question à poser, même pas un bon exemple ou cas. Parce que au fait, nous pas de droit et divulguer et cas de conflit que nous on garde tout ça en nom, même pas garde et c'est un cas en particulier et c'est juste donc ce qui signifie c'est la confidentialité stricte. Est-ce que habituellement qu'on finit décider et puis après un temps deux parties confiées tournent vous dit bon remettre en question ça nous dit non l'ipral très difficile dans la mesure où sans doit venir exécuter. Mais par contre ça va venir arriver si tribune parce que depuis tribune a fini mission pour fin. Mais par contre, avant que monsieur ait fait une préfète, il y a une partie qui m'a dit pour le juge là, pour l'interpréter et sentence là. Pour lui, il ne va pas comprendre très bien. Donc il a demandé le juge là à ville. Mais au fond, comprendre bien, la question c'est que immédiatement, mission tribunal ça a fini, tribunal là, pas là encore. Comment c'est ce tribunal ça? Ok, c'est un tribunal là, en tout cas, oui, puis bien, c'est un tribunal qui a fait par les parties ou bien deux parties ensemble. Mais après, avant de saisir le tribunal, il faut composer le tribunal. Comprenez bien, les litiges là, n'y a si clause d'arbitrage, le tribunal n'a pas existé. Donc, parties qui ont procuré chita ensemble pour choisir qui monde qui prend l'arbitre. Mais, cas ça, donc ça veut dire qu'il faut composer le tribunal là d'abord. Et quand le tribunal là fin institué, il est ça, tous les deux parties qui ont vu saisir le tribunal là, on parle de saisine, ou bien une dans partie plus diligente, qui a voyé, ça nous a dit, en termes techniques, requête dans le tribunal là, soit le tribunal a notifié l'autre partie, mais requête la joindre, ou bien il voyait le secrétariat tribunal là, et puis il voyait et par l'autre partie. Si c'est CCH qui a organisé l'arbitrage à vous, immédiatement, le tribunal a informé dans le temps de CCH qui a capable de partir, et puis, bon, ils font un troisième, ils choisissent un président arbitral, lundi, Georges-Henri. Et puis à ce moment-là, le tribunal a fini constitué, partie plus diligent, lui-même, lui, saisit le tribunal-là, et puis pour nous commencer, question. Et puis, ce tribunal-là, ensemble avec partie, mm-hmm. pour acheter ensemble, pour faire procédure arbitrale, avec ce qu'il a fait. Puis ça, tu as relevé l'acte de mission. Mais qu'il est envoyé et argument par moi. Comme si vous demandez à vous argument par moi, mais dans qui date, dans le temps nous, dans qui date l'autre partie à vous argumenter par lui. Et dans qui date tout, nous parlons d'audience là. Donc ce qui signifie, c'est comme si nous avons c'est un tribunal de convivialité. Mm-hmm. Donc depuis là déjà, si vous me chitez ensemble avant pour nous connaître qui est. Ma réponse nous avec requête pour aller ce tribunal là, nous commençons à parler. À qui revient le dernier mot? Dans le tribunal constitutionnel, bon président, bon. Oui, bon président, mais il n'y a pas gain plus force que là. Ok. Bon président, le plus souvent président lui-même, c'est soit c'est deux arbitres qui choisissent, un troisième, ou bien c'est CCH qui choisit, et puis maintenant lui-même il dirige les débats, mais il pas plus arbitre que deux autres. Mais comment on a décidé par délibération? Oui, non, par délibération, c'est certain. À ce moment-là, le collège là fin décidé, où on habite qu'il ne doit pas d'accord, ça va être un problème. Donc, il y a un duc décidé, voici la sentence. Mais est-ce que le cas habite qui n'est pas d'accord, qui a montré ça publiquement? Oui, pas publiquement. Pas publiquement. Non, dissident, ça veut dire que les immeubles. Est-ce que deux acteurs, deux entreprises qui ont conflit, deux mondes qui ont conflit, à pourquoi on a ça? Oui, à pourquoi on a ça? Pas gagné qui a fait en cachette. Pas grand-chose qu'a fait ta cachette, parce que c'est ensemble avec eux. Et puis sentence-là a pris grande. De 2010 à aujourd'hui, on dit monsieur, c'est 50 cas. Ça veut dire que nous n'avons pas un conflit dans le milieu affaire là en Haïti. Alors, quand je me disais, ce n'est pas un conflit qui n'a pas gagné, il n'y a pas qu'on convenait, il n'y a pas qu'on rendait compte que l'arbitrage là, c'est
voie qui est plus sûre pour résoudre la question. Et deuxièmement, il va reconnaître que CCAH, c'est pour lier, c'est pour imprégner. Elle dit qu'on a une campagne de sensibilisation. Oui, une campagne de sensibilisation. Ça fait, par exemple, et ce matin-là, nous allons organiser le premier forum international d'arbitrage en Haïti et premier au Demas dans l'hôtel Caribbean Convention Center. Côté, nous avons des ateliers de formation sur l'arbitrage et sur différentes thématiques et sur propriété industrielle. Sous mode de résolution de conflits dans la question des droits humains et qui a un rapport à arbitrage sur investissement étranger. Donc, l'ESA capable de permettre de former non seulement arbitre, qui était là déjà, mais surtout une formation non-stop dans CCH et former l'autre acteur dans la société civile là, qui est intéressé à la question des droits, avocats et même et industriels, et même prof et même businessmen, je vous ai dit ça. N'a tout profité tout fond dit ça dans cérémonie 1er mars là disons un cocktail d'ouverture dans l'après-midi pour honorer Henri Bazin qui était censé premier posthume oui certain qui c'est premier président conseil d'administration CCH donc ce qui signifie et c'est un pionnier grand autorégation qui permet que qu'on y a là moi-même qui a venu parler de CCH et le vendredi 2 mars a gagné toute une thématique qui pour présenter l'arbitrage à même. Tout toute question ça pose nous a un thème qui va dans l'arbitrage qui s'allie. A bien même un thème la médiation qui s'allie. L'arbitrage investissement étranger qui genre qui ça qui j'en a fait arbitrage international qui j'en ça déroulé et pour aller même un thème qui va le développer qui vous dit OK, pas un problème. Procédure étatique et procédure arbitrage en termes de coût et de temps. On peut pas le présenter mon là et que le mon fin dans des armes sûr et après 2 semaines ça j'ai l'impression pas un businessman qui pas dit mettre là ça avocat mouillé c'est vrai contrat ça mettons clause d'arbitrage dedans parce que il y a plus avantage oui il y a plus avantage dedans un en termes de compétences tribunal là qui peut le constituer c'est au cap gain privilège pour constituer mais on gain des garanties de compétences on gain des garanties d'honnêteté. Et puis, on a gagné de garantie de célérité. Ça veut dire qu'il peut aller plus vite. Donc, et la question. Et puis, on a gagné, on connaît exactement le processus à faire là, combien de la coûte. Parfait. Ça veut dire qu'on n'a pas de surprise, même l'Ovini, comme si Simdadio là, et pas même de possibilité pour faire du chantage. Parfait. Pas de ça, pas de ça. Et ensuite, garantie de confidentialité. Ça, c'est très important. Parce que il y a des informations qui sortent dans un procès. Qu'a fait, même si vous avez gagné un procès, il y a des lots qui n'ont pas envie de faire business avec vous encore parce que les gens ont sorti. Donc, ce qui veut dire, et je pense que l'arbitrage là, c'est une meilleure voie dans le monde alternatif de résolution de conflits, surtout leur affaire business. Parfois, l'arbitrage, nous pouvons recommander pour que le business soit casé. Non. Non, parce que nous pas là pour nous craser et c'est qui formule qui puis et fait pour que surtout en matière de conciliation médiation à dire permettre nous joindre pour business avancer parce que si business en craser comprennent bien ça son chaîne oui on a perdu travail pas gain business qui fait encore et puis CCH pas gain raison d'être et tout parfait qui monde qui doit participer dans forum de jour ça avec là en général tout le monde. Mais par contre, l'important pour que, comme c'est une matière nouvelle, même si l'arbitrage, vous parlez de 1835, que confie CCAH, et donc la chambre, la chambre de commerce, mission pour faire arbitrage institutionnel et commercial, mais il est très jeune, puisque nous commençons nous-mêmes à CCAH en 2010. Donc ça veut dire qu'avocat est très important pour que l'avocat vienne l'information. Parce que ça va venir arriver. Yo pral gagner tout pour yo défendre éventuel client yo devant un tribunal arbitral les ça si yo pas connait matière là c'est très difficile pour yo et que tout monde qui dans business sous table et ta supposé venir dans forum là pour voir qui avantage gagner que il gagne des conflits et qui gens capable résoudre conflit yo gagne droit pas aller en arbitrage en premier coup yo aller dans médiation OK et yo gagne garantie un acteur tribunal là c'est des gens très compétents
il y a des garanties, c'est un bail de confidentialité. Pas gain une requête d'arbitrage ou faire un peu pour demain matin. Mais plus tard, on l'a sorti un peu sur les réseaux sociaux et puis tout le monde a commenté. Des gens ont dit qu'il va même sembler avec ça à faire là. Et puis bon, et puis on garantit risque de corruption très, très minime pour ne pas dire qu'il va exister. Alors là, après deux jours, ça, nous, monde qui va participer, on va apprendre exactement qui ça arbitrage là y est. Pour qui ça arbitrage est important pour le monde qui a fait business. Et dans quel sens CCH là capable d'aider dans l'organisation arbitrage. Parce que vous faites quelque chose de désigné pour nettoyer l'arbitrage là, mais nous avons encouragé l'arbitrage institutionnel, côté qui a des spécialistes qui là qui pour organiser l'arbitrage là, au lieu que. Si aller en arbitrage ad hoc, au lieu que y aller dans un arbitrage ad hoc, parce que au fait que les CCH qui engagé avec l'arbitrage, mais dans le niveau CCH, nous avons garantie de compétence et d'honnêteté. Par contre, si je fais un défaut, M. Laurent, et je me souviens de gagner un accord entre CCH et Chambre d'arbitrage République Dominicaine. Pas trop longtemps, pour nous apprendre de ça, ou même faire en République Dominicaine. Et comment ça y est-ce qu'il y a des partenariats qu'on s'en établit à oui, deux alors ça, c'est nous dit pour arbitre. Il y a plusieurs partenariats dans la zone. Ça mm-hmm. veut dire que c'est un arbitrage, que ce soit en République Dominicaine, que ce soit dans d'autres pays caribéens. Mm-hmm. Et laisse ça pour que l'arbitre nous frotte avec l'autre arbitre. Mais il y a des partenariats que okay, nous avons même avec les chambres et d'arbitrage de Londres. Et que bon malheureusement le contrat n'a pas fin d'établir pour que arbitre pour que chambre d'arbitrage de Londres soit capable de certifier arbitre haïtien. Il y a un pile et partenariat comme ça et CCH ouvert et open à un pile l'autre centre et d'arbitrage. Comment nous voyons par rapport avec l'autre chambre d'arbitrage ça je veux dire comment nous voyons nous des côtés nous puis avancer mm-hmm. OK. Et il y a des côtés tout ce que nous besoin et apprendre de eux. Parce que des côtés, par exemple. Quel côté nous puis avancer, par exemple Le Caraïbe, le pays blanc, le Caraïbe, nous puis avancer, passer là-dedans, dans la question d'arbitrage. Mais il y a des côtés qui viennent prendre, c'est que le secteur privé, le secteur des affaires, tout, on dit gens, puis. Approprié de l'arbitrage. Donc, ça fait que nous avons besoin que le secteur des affaires haïtiennes, la classe des affaires haïtiennes, approprié de arbitrage là et les approprié de yo yo même tous les gros contrats avec des fournisseurs internationaux yo qui doit dire yo créer nous prendre l'arbitrage pas un problème mais c'est arbitrage d'affaires c'est un arbitrage c'est en Haïti et n'a confié la CCH parce que l'autre institution l'autre des grandes compagnies qui gagne des contrats avec des firmes haïtiennes yo qu'on impose yo arbitrage et même à la Jamaïque, sous prétexte comme c'est une date là, on méfie sur tout ça qui a passé et en Haïti. Alors on dit que c'est la première fois qu'on a organisé, ça veut dire que nous avons chaque année qu'on rendez-vous comme ça pour nous parler d'arbitrage. Oui, je pense que c'est chaque année, et si nous parlons d'arbitrage, et puis nous parlons de décentraliser le tout, si vous voulez, pour nous faire dans tout le pays. Là. Et gagner un projet, je ne veux pas vendre mèche là, que pour que nous-mêmes, en tant qu'université, gagner des chaires d'arbitrage et on dit des chaires de résolution de mode alternatif de résolution de conflit quand il y a parlé de l'arbitrage quand il y a parlé de médiation et les ça et t'as quand même rêvé tellement intéressé donc quand même envisagé côté que c'est CCH qui finance ces chaires on est sur pour CFI on travaille avec lui et oui gagner des rapports avec CFI et rapport à l'obligé très intéressant parce que en pile investisseur là venir en pile monde qui fait business dans CFI et puis monsieur t'a demandé est-ce que gagner et une institution qui organise des arbitrages en Haïti donc CFI a sans problème pour dire et CCH mm-hmm. Alors mais est-ce qu'on thème central pour forum de jour ou bien non pas vraiment mais c'est l'arbitrage et l'arbitrage en fait ce forum là fait sur l'arbitrage en fait que pour permettre que le public là familiarisé avec des modes alternatifs de résolution de conflits. Alors c'est Caribé et Caribé Convention Center. On a démarré à quelle heure? Et demain on a commencé depuis 9h. Mm-hmm. Et alors pas demain, alors, jeudi. Jeudi 1er mars mm-hmm. et on a clôturé là avec un cocktail d'ouverture puisque en fait demain, journée demain, a consacré à la formation, de plusieurs ateliers de formation, et ateliers au Pachin, parce que là. Dans le visage, c'est gratuit. Ateliers, pratiquement gratuit, mais 2500 gouttes. Okay. Pour chaque atelier? Pour chaque atelier, oui. Et ensuite, forum, proprement dit,
Et grand oublié a fait mardi, non, vendredi 2 mars, et là, ça, c'est l'entrée libre. Tout le monde qui a venu, étudiants et professionnels. Professionnels, oui, tout encourager professionnels. Non, encourager professionnels du droit et toute l'autre catégorie professionnelle. Ça veut dire que, pas parce que si je fais droit, je ne vais pas habiter, non. C'est celle pour droit, non, non, non. Mais si mon problème qui a passé dans la construction, j'ai besoin d'ingénieur, j'ai besoin d'architecte. Par exemple, il y a une dalle qui est tombée. Et puis, le propriétaire a estimé que c'est l'ingénieur qui a une faute la portée. L'ingénieur doit dire qu'il y a une faute la portée. On dit exemple comme ça. Et qu'il faut que le propriétaire, maître d'ouvrage, là, refinance là. Alors que l'on vient dans la question de l'arbitrage. Et aussi, okay, dans le collège arbitral, il y a un ingénieur qui est très rompu. Et puis, l'on vient expliquer là, déjà que. Ouais, et ça va me dire là pas collé mais qui j'ai une question. Donc là ça me pense les ouvert à tout professionnel qui en d'un pays. Bah qui toi les maman de ça si une entreprise vive un problème à l'état. Ah non. Là une très belle question puisque la loi sur arbitrage là chapitre décret de 2005 qui a amendé chapitre 9 et livre arbitrage là pas gain arbitrage et l'état non question. C'est-à-dire et entre l'État et l'entreprise là, pas de droit à une clause d'arbitrage, et ça c'est la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Mais il y a l'autre cas où pas de droit à un arbitrage, par exemple, dans le cas pénal. Okay? Pour le moment en Haïti, pas de médiation pénale, parce qu'on ne transige pas sur l'action publique, c'est pour le moment. Il y a l'autre pays, mais par contre, si on est volé, si on est tout le monde, il n'y a pas de pour le moment interact de notre législation, il n'y a pas de l'arbitrage. Et pas même si victime t'a négocié avec bou prétendu bourreau dit bon ou t'es volé à femme ou crase à femme et ben OK m'a des dommages bon cop pour ça mais commissaire gouvernement a poursuivi quand même parce que ou pas transigé sous on ne transige pas sur l'action publique. La commission n'a pas lié, même si on te fait dire non 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 pas de médiation pénale en Haïti. Donc ce qui signifie ou on t'en a victime c'est problème bon. Le ça, le commissaire gouvernement a poursuivi le dossier. Des médiations viennent de l'autre côté? Et par exemple, pour exemple, États-Unis, par exemple. Avant de la ville d'un procès avant, et ça ne faut pas le dire, c'est une audience préalable. Et puis, le prosecuteur dit, à la fin de mais ça me vient pour. Ça qui passe. Est-ce qu'on va plaider coupable ou non coupable? Si vous plaidez coupable, je négocie peine. Ou bien qu'à retirer quelque charge dans le tribunal. Mais ça, il ne faut pas le voir. Audience et qui côté n'est appelé des non-coupables là, c'est parce que le commissaire et procureur là, Gantin, avec l'autre parti, ils ont chuté ensemble, ils ont entendu, ils ont une question, ils ont dit, devant le juge, ils ont dit, bon, je vais quitter telle autre charge tombée, mais ça va prendre monsieur des non-coupables, bon, peine d'attaque à 9 ans là, ben bon, on négocie ça, ben, monsieur 3 ans. Mais en Haïti, pas gain ça. Eh bien, rendez-vous c'est pour le 1er, le 2 mars, dans l'hôtel Caribé, Convention Center, premier forum sur arbitrage avec CCH là. Je vous remercie un peu de M. Patrick Laurent et je vous souhaite une grande portée didactique et vous nous apprenez un pile oui, de ça qui dit là. Donc, nous disons merci, Serginho. Et bon, dit Télévision Nationale, CCH, n'importe où, vous besoin d'informations du CCH. Et bien, bon, depuis d'arrêter nous, et nous avons toujours gagné un arbitre ou un médiateur, un avocat disponible. Pour venir parler avec les téléspectateurs, les spectatrices, télévision nationale, pour connaître qui ça arbitrage là, qui ça médiation là, et qui intérêt que l'on a dans le business gagne pour confier résolution de conflit à CCH et Google gagne d'abord une clause d'arbitrage dans le contrat. Et si d'avant il pas gagne une clause d'arbitrage là, les conflits viennent prendre naissance. Le café, on close compromissoire pour décider pour revenir à l'arbitrage. Non, là, c'est bon. Merci infiniment, M. Patrick Laurent. Mais je te dis tout à l'heure, si ça arrive que il y a un problème, conflit d'intérêt. Oui, vous pouvez récuser. Juge là, tu as déporté. Oui, oui, oui. Et puis, Manik Poun, c'est Serge Union qui a un business ensemble. Oui, c'est client. Oui, c'est client déjà. Donc, c'est qui signe pas à moins que je vienne comme avocat de toutes les façons. Parfois. Nous allons accepter avocat tout dans le moment. Dans le dossier qui est-ce comme si collègue il y a un avocat lui. Ah bon oh non c'est pas parce que c'est collègue là seulement qui non non, non 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 bon là ouais heureusement vous posez des questions mais d'abord fini non client il doit avec avocat ah bon parce que c'est pas au tribunal étatique non son tribunal lui
OK. Sauf que c'est pas un tribunal étatique, c'est un tribunal privé que parti eux-mêmes, c'est monde qui en conflit qui composé qui monter tribunal là, même monde m'a choisi pour habiter moi. Mais l'autre monde n'a pas choisi pour l'habit là, puis l'institution choisit pour l'habit, et puis là avec avocat. Non, plaidoirie, tout le monde là. Sauf que c'est pas, l'audience n'est pas publique, ça veut dire pas quel monde a rentré ou bien journaliste, etc. C'est autour d'une table, c'est comme une belle réunion et de convivialité. Et puis chaque monde a présenté l'argumentaire avec avocat. Non, justement, non. Au contraire, le principe du contradictoire, c'est que le collège a supposé assurer que chaque monde est capable de présenter l'argumentaire. Avocat, quand même, forger conviction. Ah oui, justement. Justement, il pourra le former conviction et puis même pour une décision. Non, parti avec avocat. Parfait. Voilà, Patrick Laurent est avocat de son état avec lui. On a fait émission ça jeudi à la non-CCH. Il est déjà rendez-vous 1er à 2 mars à l'hôtel Caribé Convention Center pour premier forum sous arbitrage. Merci tout le monde. Tout avec nous dans la matinée. Je souhaite vous passer une très bonne journée. Et si c'est en rediffusion, bon après-midi, bonne soirée. À bientôt. Merci maintenant.